dans cette primaire, il y a vraiment un problème, je crois, d'une partie de la direction du parti qui préférait que ça reste un entre-soi. Et qui fait ce qu'il faut pour que ça reste un entre-soi. Mais pourquoi ça ? Et alors même que la primaire, ça a été annoncé comme une primaire ouverte, et que c'est une chance que ce soit une primaire ouverte. Parce que ce soit une primaire ouverte, c'est la possibilité de rassembler le plus largement possible les Français, des millions de Français. On invite à voter des Français qui ne sont pas encartés. Tous les Français peuvent venir voter à la primaire ouverte. Mais ça, les Français ne le savent pas. Mais non, c'est bien ce que je vous dis. C'est-à-dire que le parti ne diffuse pas cette information. Le parti ne fait rien pour que ça sache que tous les Français vont être invités à voter à la primaire. Le parti ne fait rien non plus pour que ses adhérents se mobilisent pour parrainer un candidat, puisque les adhérents du parti, pour le coup, doivent parrainer un candidat. Il y a comme une réticence vis-à-vis de cette ouverture. Il y a peut-être aussi un calcul de la part de certains qui se disent « moins il y a de votants, meilleur c'est pour moi ». Si on veut qu'il y ait un vrai débat politique, si on veut qu'il y ait une primaire qui ressemble à la France, qui ressemble à l'ensemble des sensibilités de la droite et du centre. Si on veut que ce ne soit pas un entre-soi, si on veut que ce ne soit pas la brochette des habituels en costume gris qui font le débat, eh bien, parrainer.